Salut tout le monde, c'est Thomas Ratchet. Aujourd'hui, on se retrouve sur la démo de Outlast 2. Donc, Outlast qui est l'anagramme de caca culotte. Donc, je vais le tester avec vous. Je vais me chier dessus. Déjà que là, je me chie dessus un peu. J'ai baissé le son parce que je suis une grosse victime. Bon, attendez, je vais le remettre en fait. J'augmente un peu. Voilà. Il y a un moment, on voyait juste un bonhomme. Ça me faisait déjà peur. Donc là, je flippe pour rien, je pense. Moi je suis le roi pour flipper pour rien, donc là on y va. On est à caméraman, hein, bah comme dans l'ancien Outlast, que tout le monde connaît bien sûr. Sinon, voilà. Je m'en bats les couilles de l'histoire, je ne lis rien du tout, c'est une démo en anglais. Ah non, j'aime pas tous ces trucs là, non? Je sens que je vais mal dormir cette nuit. Vidéo moins de 18 ans au passage, hein, parce que là. Voilà, regardez les petites têtes là, oh là là, ça. On va voir du sang, des cadavres et tout, hein. Enfin, je pense. Je me suis pas spoilé, j'ai regardé aucune vidéo. Même si c'était tentant. Ah, attendez, le son est trop fort là. Je suis une grosse victime donc. Ah, je sais pas si ça a coupé quand j'ai bougé le son, bon, c'est pas grave de toute façon. Ah non! Pas cool ça. Non, 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 non. Pourquoi tu viens là en pleine nuit? Il faut rester chez soi la nuit. Il joue aux jeux vidéo. On va mettre tes lunettes. Ouais. Attends, à chaque fois dans les jeux vidéo, il regarde les objets qu'ils ont allumés pendant 3 quarts d'heure là. Dans tous les FPS. La fameuse caméra. 4K. Non, je déconne. Bah ça va, t'as juste glissé. Arrête de boiter. Je dois avancer là? Ah ouais. Presse R1. Ah comment j'aime pas les touches. J'ai des piles aussi. Est-ce que c'est comme dans l'ancien où t'as des piles? 50 mps, 80p, 109 fps. Ah ouais, j'ai des piles. Ah, faut pas que je fasse le con, putain. Des piles. Oh non, mais moi je vais passer ma vie en... Ah, puis bien sûr, bon. Hello. Ok. Hello. I'm lost and hurt. Eh franchement mec, t'es le gars le plus con du monde. On fait jamais ça quoi, comme si que dès que... comme ça on toque à une porte. Non non non, tu t'attends le jour, tu te planques dans un coin. Je sais pas, ben dans un coin quoi, puis t'attends qu'il fasse jour. Je sais pas, c'est... après c'est un jeu vidéo donc s'il attendrait le jour, le gameplay c'est un peu, il sera un peu nul mais bon. Je sais que les vieux cactus là, ils nous font croire qu'il y a des gars. Y'a quoi là-bas? C'est quoi déjà le zoom, c'est ça? Il y a une porte, on peut rentrer. J'ai pas trop besoin de la vue. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, j'ai peur, putain. Avec la petite musique en plus. Vous avez peut-être pas peur, mais moi je suis dans le noir. Là, j'ai tout fermé. Je suis tout seul chez moi. Is anybody there? Please. Qui a parlé? Oh putain de saloperie. Oh putain, j'ai pas vu lui. Ah, il est mort depuis peu de temps en plus. Regardez encore les mouches, il est pas encore des... Oh putain. Bah donc je disais, vous avez peut-être pas peur, mais moi là, mettez le son à fond. Ah, c'est moi les bruits de pas, putain, j'ai peur de mes propres bruits de pas quoi. T'aurais le A de batterie, mais je le ferai après. Ah, je me trompe de touche, putain. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est des poupées. Ok.
Who's... Jesus. Lynn. No. Eh, reviens là, toi. Ah, je sais pas voler. Putain. Running for extinction Camon. Mais je dois aller où? Mais qu'est-ce qui m'arrive là? Je tombe dans le coma? Et je peux pas fermer la porte à... J'ai pas envie d'avancer en fait. Là je serais en live, j'aurais pas peur si c'est un live avec des gens. Mais là, franchement, je me chie dessus. En plus j'use mes piles là, putain. Non, ah, je me trompe de touche. Je sais vraiment pas où il faut aller. C'est mal indiqué hein. Oh là là. Genre c'est une cachette ça. Là en première personne on croit qu'on est caché mais en vrai dans la vraie vie non. En plus il y a des trous là. Ouais. Franchement. J'ai pas du tout, du tout envie de sortir. Ah putain je me trompe de touche, mais non. Voilà, casse pas les couilles. Oh là là. Mais quelle idée de venir ici aussi. C'est quoi ce bruit? Quelle idée de venir ici là en pleine nuit. Dis-moi que c'est ouvert. Mais non faut pas toquer. Ouais on ferme toujours la porte, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait dans la pièce avant. C'est cette touche, voilà. Ah, je peux me cacher. Ouais. Mais moi, je cherche des piles en fait. Parce que si j'ai plus de piles et qu'il faut courir à un moment où il fait noir, et bah, je suis mort en fait. Ah, voilà, il y a forcément une pile dans une maison. Genre, il y a l'électricité ici. Non, je vais attendre un peu avant de recharger la batterie. C'est là où j'étais bloqué. Mais qui habitait ici? Après, ça se trouve, je dis ça, mais c'est peut-être pas si éloigné que de la civilisation. Ça se trouve, c'est. C'est une petite. Oh là là. Ça se trouve, c'est une sorte. Il y a des bruits de pas à gauche. Ça se trouve, c'est juste une forêt normale. Et en fait là c'est la jungle de Calais. Allez putain, il y a deux secondes ça s'ouvrait ça non? Ah c'est juste la porte qui fait ce bruit. Ah je suis censé... Ouais, putain il fallait savoir. Hein. Oh putain j'ai peur. Hein. En plus je le savais là le screamer parce que je l'ai vu dans le trailer. J'ai juste regardé le trailer et le teaser mais j'ai pas regardé le gameplay. Je vous le jure. Ah bah oui, on ferme. Précaution. Putain, est-ce que c'est chiant d'avoir une chaîne YouTube? Ce serait qu'à moi, là je quitterais le truc et je ferai un autre truc. Y'a pas une pile là-dedans? Tout est bizarre. Ça tient déjà qu'à moi, là j'éteindrai le jeu, là j'effacerai le jeu, tu vois. Parce que de toute façon, si j'aurais pas de chaîne YouTube, je ferais même pas la démo, hein. J'essaierai même pas de me faire peur. Mais j'aurais pu l'ouvrir de l'extérieur les ennemis. Pour l'instant ça va, c'est la phase tuto du jeu un peu. Il n'y a pas encore d'ennemis à notre poursuite. Je sens que... Comment ça croupit? Ah, voilà. Ça c'est...
Ah putain, j'avais même pas vu ça. Ça sert à rien. Ok, d'accord. Ils vont m'expliquer, non? Non. Ah si, je peux courir. Voilà. Ah, on court, j'aime pas, il y a plein de bruit là. Non, non, mais quand t'es quelqu'un d'intelligent, tu vas pas dans ça là. Tu restes dans une maison agenouillée dans je sais pas trop quoi. Ah non, non, par contre là je le sens pas là. Mais c'est des vrais corps là en fait. Oh putain, heureusement que les parents sont pas dans le coin sinon ils gueuleraient. S'ils voyaient un jeu comme ça. D'accord, donc ça fait une croix avec la lumière. On n'a pas un qui va se réveiller, non? Non, bah non. Voilà, merci. Putain, juste mes piles là, c'est un truc de ouf quoi. Fouiller. Tu vois que c'est le vent qui l'a fait bouger et qu'il n'y a pas quelqu'un une minute avant qui est passé, hein. Putain, j'ai eu peur de la truc qui bouge là. Ah, ça se trouve, vous vous dites, putain, cette petite merde, il avance pas là, il a peur, mais franchement, là, je connais bien la méthode hein, des victimes là. Vous mettez le truc en. Oh, qui c'est qui parle? Ah putain! C'est quoi cette. Ah, je peux pas me retourner? Ah ok, je suis agenouillé mais il est pas capable de. Ok. Mais c'était quoi, un rêve ou. Quoi elle hein? Ah ouais voilà. Ah si quelqu'un me parle. Là, genre là il se prend pas les trucs là. Non mais là dans la vraie vie tu te prends ça, tu te fais ultra mal hein. Je suis désolé. En plus là, si c'est une coupure, il chope une infection là. Y a pas Bear Grylls dans le coin pour le sauver. Hein. Ouais, je vois bien le truc où je vais tomber, puis on va me poursuivre, non? Parce que c'est vrai que c'est rassurant de rester ici, moi je dis. Mais je peux pas regarder aux fenêtres là. Là-bas, Garyan Grey, je vais tomber, je suis sûr. Ou bien il va y avoir des mecs en dessous, je vais tomber dans la pièce juste à côté. Là, je ne peux pas aller là, ok. J'ai plus de piles, putain. Dis-moi que 0 ça compte comme une pile aussi. Hein. Voilà. Ah, bah non, elle est sympa cette pièce. Bah, ah, non, en fait, je pense qu'on fait un cauchemar là. Dis-moi qu'on va se réveiller. Qu'en fait, là, ce jeu c'est. C'est, je sais pas, c'est un autre jeu. Pile pour ce truc là. Oh attends, attends. La caméra, voilà. Y'a pas une pub, non? Tu sais, comme je suis sur PS4, ils ont fait une petite pub pour leur propre. Par contre, on va recharger les piles, hein, parce que faut pas déconner. Nous, on est là. Ok, non, c'est des pixels. Ah putain, on a bien alerté tout le monde là. Ah, visiblement. Non, j'ai pas envie de sortir en fait. Ah, je connais ça, ça sert à rien. C'est pour décorer. Là, il y a une cassette. Là, combien que c'est la Bible? Ah non. Je peux pas me cacher là, donc ça veut dire qu'il va part d'ennemis, je pense. Logique. Oui, forcément. Ah là, putain, je me disais quand je regardais des youtubeurs faire le let's play là, je me suis dit ouais, c'est facile Outlast, pourquoi ils ont peur? Ah mais elle est bien la pièce là, pourquoi on s'en va? Il y a la lumière et tout. Ah mais on voit rien. Pff. Bon ok, donc je réfléchis, la seule porte qui est ouverte c'est celle-là. Je vais fermer toutes les portes derrière moi.
Heureux. Bon, désolé pour la coupure. Donc, je disais, ma méthode, je vais tout laisser, tout fermer derrière moi. Je vais juste laisser celle-là, comme ça, s'il me fait poursuivre, je viens là. Vous allez me dire, c'est totalement con parce qu'il n'y a pas de cachette. Oui, c'est con, mais je peux tourner autour du truc. Ah, je peux pas. Ah, si, voilà. Je tourne autour du truc comme ça, tranquille. En plus, elle est claire, la pièce, donc. Forcément. Ça, je ne sais même pas. Normalement, je peux faire ça, ouais. Puis, genre, l'ennemi ne me voit pas. Les fameux casiers. J'ai pas envie de sortir là. Ah ouais, donc dès que t'enlèves le truc, tu peux pas. Ah ouais, donc t'es obligé de l'avoir en fait. En fait, c'est chiant parce que j'ai pas envie de sortir là. Puis en plus. Ah putain, tu peux pas tenir la porte. Et quelle heure? On sait pas. Non, bah je vais pas là alors, ok. Attendez, il y a eu un big bruit là. Le truc sur ma caméra là, il a. Ah, je vais pas aimer là. Peut-être bien que cette vidéo elle sortira jamais, hein. Peut-être bien que en fait. Ah, c'est quoi ces vieux bruits là? Coupure de une demi-seconde. Voilà, comme je suis là. Oh, y a une pile là. Putain. Ah! Jessica? And Lynn. Mais non, mais non, mais je vois bien le truc là, il va tourner la truc. Ça va appeler tout le monde, genre, tu vois. Là, comme par hasard, c'est éclairé, juste le casier. Non, je peux pas le reposer. Mais pourquoi tu le fais tourner aussi là? Tu vois un truc, je sais pas, tu tournes pas le truc, t'as juste peur. Là, il verra un mec dès qu'on va se retourner. Là, j'ai juste appelé tout le monde. Voilà, il y a un mec qui est passé, un fantôme. Ta mère, j'ai pas peur. Ouais, t'as cru quoi là? J'ai pas peur à ce point. Hein. Ouais, si j'ai un peu peur en fait. Ah, oui, non, mais non. Je peux me cacher ou pas? Bah, ouais. C'est la meilleure chose à faire, hein, je suis désolé. Je sais pas que ce con a une. Ah. Il y a une lumière sur sa caméra, sinon c'est grillé. Hein. Pourquoi je vois flou là? Ouais, donc sur la vision thermique, t'es perdu en fait. Faut que je sorte parce que je vais plus avoir de pull. Tu peux pas avoir de l'eau? Non, bah non. Peut-être qu'il fait un cauchemar le gars, tu vois. Bah, je fais comment là? Ah, je suis sûr que les. Je vais revenir, ça va changer, je suis sûr. Oh putain, sa race! Oh putain! Eh, ça fait longtemps que j'ai pas eu si peur de ma vie, putain! Oh! Oh, c'est la première fois que j'ai. Ça va faire un an que j'ai pas eu peur, j'ai jamais, putain, j'ai sursauté là, j'ai pas eu peur, enfin si j'ai eu peur, mais bon, c'est bon, on s'en est remis, on sort. Par contre, je vais courir maintenant. Ouais, ah, oh, je suis un génie. Spontanément, je suis entré dans. Ah, puis bien sûr, ça s'est refermé. Une pile, s'il vous plaît. Je le sens pas là, mais vraiment pas. Ah ah! Mais en fait, ça ressemble plus à une prison qu'à une école en fait. Sans déconner. Oh là là! Mais en fait,
C'est pas des screamers comme dans l'ancien où genre tu te faisais poursuivre et là c'était stressant, tu vois. Là c'est comme ça d'un coup, ça voilà. C'est aléatoirement quoi. Y'a pas un petit gars qui va passer. Non, c'est la saleté sur la. Oh là là. Putain, pourquoi j'ai joué. Oh là là. Vraiment con pour. Ah! Jessica. Je peux me cacher ou pas? Bah, à la limite, je fais ça. Hein. Ouais, genre, ça fait un bruit de pantalon quand tu te relèves. Prends pour un con, tiens. Ah non, par contre, j'ai plus. Voilà. Voilà. Ça va pas faire de trucs chelous. Eh, mais j'ai peur pour des trucs à la con, putain! Pfff, excite, bah voilà! Oh bah non, forcément. Ouais, mais j'ai, il reste encore un peu de batterie là, ça fait pas. Eh, la musique là, je suis sûr que je vais devoir courir là. Eh là, on va recharger parce que je. C'est. Eh, mais franchement, je le vois venir gros comme une maison le screamer là. Le mec au-dessus là, il va me renard quand on voit encore ses mains dépasser là. C'est quoi? Comme je suis intelligent, je vais enlever le casque comme ça j'aurais pas peur. Vous allez me dire c'est de la triche, mais non. Parce que je l'ai vu, du coup. Haha. Haha. Bon, j'ai plus le casque là. Ah putain, ça fait chaud. T'es baisé. Ah ouais, il faut plafond dégueulasse. Ah mais non! Ah! Ah, j'ai peur sans le son! Enfin, je vais le remettre pas, mais du coup. Aïe, oui, j'avais peur. Ah non, non, je vais pas devoir courir moi. Ah non! Mais c'est peut-être l'armée, non? Je sais pas. Faut que j'aille où en fait? Et finalement, on sait pas là. Ah, regarde, lui il est intelligent. Il ferme bien délicatement le truc. Alors que dans l'ancien, c'était un vrai bourrin. Il ferme la porte, pouf! Claquer les portes. Hein. Un truc de ouf. Il y a un mec là! Bah oui! Princes of Babylon shall clothe themselves with trembling. They shall sit upon the ground. Ah, puis ils parlent. Ils peuvent pas se bouffer entre eux là. Attends, je rêve ou. Ah non, je crois qu'il avait une autre main, tu sais, il a trois mains, mais. Il y a un mec juste là, je vais pas sortir. On peut pas faire sauvegarde rapide comme dans Fallout, tu sais. Si jamais. La vie. Ah bah non, bah heureusement que je suis pas sorti là. Hein. Il y en a partout. Tu veux que je fasse quoi? Tu sais quoi? Eu mon téléphone, j'ai une idée de ouf. Si je mets une musique épique, j'aurai pas peur, et puis du coup quand je vais courir, bah tout va être spontané, là je vais tout défoncer, tu vas voir. Un vrai bulldozer, attends, j'ai pas de musique épique là. Je vais mettre Walker Peace, non, Peace Walker là. Oh putain de sa race! Le gars il a une machette hein. Attends, attendez, putain je suis sur YouTube. Ouais putain. Alors, ah bah non, sinon je mets non, non, je vais mettre comme j'ai dit, ça me dure pas le non, là j'ai une pub, putain, nique ta mère, Watch Dogs, barre-toi,
Ouais, voilà, c'est ça, casse-toi. Ignorer l'annonce. Non, non, démarre pas sans que j'ai démarré, s'il te plaît. On est chaud? Attends, regarde avant quand même. Pas con à ce point. Ah putain, y'a un mec derrière moi! Oh chaud! Eh! Hey. Je vous baisse tous! Oh merde, il me court après en plus! Ah ouais, d'accord. Ah, en fait, j'ai pas. Ah non! Je suis sûr que la qualité du son pour voir est pourrie là, mais moi ça va. En plus, c'est un mec normal, genre c'est un fermier, pourquoi il m'agresse? Ah, il sait même pas courir en plus. Qu'est-ce qu'il... Aïe, ah par contre il me fait mal. Oh putain, mais je sais pas où faut aller moi. Oh merde, ça a changé de musique. Bon, c'est pas grave, j'ai pas le temps. Ah merde, putain, eh, mais... Oh non, imagine ils mettent copyright ces bâtards. Oh non, bah non, ça c'est pas cool. Ah non, je peux pas mourir dans la démo. Eh, baisse le son, sa gueule là, putain. Ouais, voilà. Pratique de se retourner, mais là... Oh, attends, je crois que je vais tous les baiser, là. Pourquoi il court ralenti? Tu t'en fous? On s'en fout si ça coupe le melon, là. Pas le melon, le maïs, là. C'est mieux de se faire couper par ça que par une machette, mon gars. Hein. Par ces fermés psychopathes, là, le CGT, là. Allez, putain, mais je sais pas aller où. Oh, c'est la merde. Eh, ça se trouve, en fait, je suis passé devant la sortie. Oh, il y a une pile. Je m'en fous d'être discret, hein. Je continue à runner, j'ai pas peur là. Hein. Oh putain, imagine, ils mettent copyright. Oh putain, oui, la sortie elle est là. Non. Ah ouais, donc là j'ai même pas de. Ah non, 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 j'aime pas ça là. Ah, c'est pas drôle pour vous, j'ai pas peur là, mais je m'envoie les couilles. Donc je fais la démo. Ah putain, ils font pas peur en fait, c'est juste des vieux fermiers à la... Oh putain merde, ça fait peur, bien sûr. Ah, ça fait deux fois que tu... Attendez, puis celui-là... Il est temps que j'ai un peu peur quand même. Ah bah là t'es mort. Ah bah ouais, t'es mort. Attends, la démo est finie? Ah mais j'ai peur pour rien. Ah, regardez, j'ai eu peur pour ça. Le jeu, je l'ai mis à fond parce que j'ai peur. T'imagines, je l'aurais mis comme ça, le gars on le voit même pas. Y a des gens, ils sont dingues, ils jouent comme ça. Moi je suis pas dingue, je joue comme ça. Eh ben, bon bah on va se laisser là-dessus. Hein, ouais, je sais pas quoi dire là. En tout cas, j'irai plus jamais sur cette démo, ça c'est sûr. Bon bah je vais vous laisser et puis n'hésitez pas. Ah putain, j'ai. N'hésitez pas à vous abonner. Ah putain, pourquoi ça résonne comme ça? N'hésitez pas à vous abonner, à liker, enfin tout un temps habituel quoi. Puis moi, bah je vais essayer de pas trop avoir peur de tout et n'importe quoi du coup là, parce que il fait noir dans ma chambre là. J'ai l'impression qu'il y a un gars à ma porte, là tu sais, une vieille ombre là. Un truc un peu genre style ça, tu vois. Ouais, bon, de toute façon, si on m'agresse, si je meurs, il saura pas couper l'enregistrement. Du coup, enfin bref, bon. Allez, moi je vais vous laisser là-dessus. Et puis, un dernier conseil, n'achetez pas ce jeu, bien sûr. Voilà. Allez, ciao tout le monde.